Nous allons nous trouver aujourd'hui en présence d'événements considérables et violents. C'est juillet 89, c'est la prise de la Bastille. Et peut-être vous vous rappelez que dans mon premier exposé, je vous parlais de ce dressage que j'ai subi, comme tous les petits écoliers de France, les écoliers de la Troisième République, où dans les manuels, on nous présentait une certaine image convenable de la Révolution française. C'était une mise en condition, quoi. Les écoliers, c'est de futurs électeurs, et il est important qu'ils soient orientés. Alors aujourd'hui, nous allons trouver en présence de phénomènes que je voudrais bien regarder d'un regard neuf et vous exposer comment, en vérité, ils se sont produits. La dernière fois, j'étais resté au 17 juin, c'est-à-dire au moment où, sous l'impulsion de Sieyès, le tiers état se proclame Assemblée nationale. J'avais employé un mot violent que je ne retire pas, le mot de fourberie chez Sieyès. C'est un mot qui est très gros, mais il a juste la taille qu'il faut. Pourquoi fourberie chez Sieyès et chez Mirabeau? Parce que, je le répète, ces gens font semblant de parler au nom de la nation, mais ce qu'ils appellent nation, c'est-à-dire en fait 24 millions et demi de gens, c'est cette toute petite élite ou écume qui représente la bourgeoisie possédante. Alors ce jour-là donc, le 17 juin, l'Assemblée nationale, qui vient de se proclamer telle, prend des décisions à la face du roi. Elle dit, premièrement, maintenant il n'y aura plus jamais ni d'impôts, ni d'emprunts sans notre consentement. Deuxièmement, nous autorisons, vous entendez le vocabulaire, nous autorisons la cour et le roi et le gouvernement à percevoir pour l'instant les impôts. Et troisièmement, les dettes de l'État, c'est-à-dire les rentes, elles sont sous la sauvegarde de la nation. Qu'est-ce que ça veut dire ça exactement, la sauvegarde de la nation? Eh bien, ça veut dire que comme il y a une menace de banqueroute et comme il faut absolument que les rentiers soient payés, c'est la collectivité, c'est-à-dire l'ensemble des 24 millions ou des 25 millions de Français, qui se chargera du règlement des dettes. C'est-à-dire que se chargeront aussi de ce règlement ceux qui n'ont même pas été invités à voter pour les états généraux. Qu'est-ce que va faire le roi devant un pareil état d'esprit? Enfin, c'est assez terrible, vous comprenez? C'est une partie de la nation qui se dresse devant le roi puis qui lui dit « Stop, c'est fini, c'est nous qui commandons ». Mais le roi, il était très ennuyé. Qui est-il, ce pauvre roi? C'est donc Louis XVI, vous savez, depuis 1774. Louis XVI, c'est un brave homme. C'était quelqu'un qui n'avait pas du tout désiré accéder au trône, qui avait cru qu'il y arriverait tardivement, mais son père était mort jeune, et par conséquent, lui, subitement, il est jeté sur le trône. Il est effrayé, il est timide, il a des difficultés physiques. C'est un homme qui va se marier, enfin que l'on marie, que l'on a marié, alors qu'il est encore incapable de rendre ses devoirs à sa femme. Cette situation l'humilie beaucoup, et sa femme, Marie-Antoinette, l'Autrichienne, est quelqu'un qui le regarde d'assez haut. Il y a une lettre célèbre de Marie-Antoinette à sa mère, qui est l'impératrice d'Autriche, où elle parle de son mari en l'appelant « ce pauvre homme ». Alors vous voyez un certain mépris de la part de la femme pour le mari, et le mari qui est très admiratif devant sa femme, elle est très belle en effet, au bout de 7 ans de mariage, à la suite d'une petite opération, il est arrivé à lui faire un premier enfant, mais c'est une gentille personne, cette Marie-Antoinette, un peu légère. Elle a un goût de la parure extraordinaire, elle dépense follement pour des diamants, il y a eu la fameuse histoire du collier, il n'est pas très sûr que son troisième enfant, le dauphin maintenant, parce que le premier va mourir, ce petit dauphin dont nous parlerons, celui qui va être enfermé au temple, celui qu'on appellera Louis XVII, il n'est pas très sûr que ce soit le fils de Louis XVI. Il est assez possible que ce soit le fils d'un des amants de Marie-Antoinette, qui s'appelait Fersen, le Suédois Fersen. Alors, quel peut être l'état d'esprit du roi et de la reine devant ce qui se passe, devant cette espèce de révolte, enfin d'insurrection d'une partie de la nation qui s'intitule le tiers-état? Exaspération chez la femme. Marie-Antoinette trouve ça inconcevable. Elle se demande quel drôle de mariage elle a fait, quelle idée elle a eue d'aller se jeter chez ces Français qui se mettent brusquement en révolution. Quant au pauvre roi, il est là qui ne sait pas trop quoi faire, il est déconcerté, il est surtout très dominé par sa femme et résolu à essayer de freiner comme il pourra. Alors sa misérable, sa minable riposte à l'attitude des états généraux le 17, c'est de fermer leur salle de réunion, de fermer la salle de réunion du tiers état le 20. Lorsque ces types arrivent, le matin il pleuvait, du reste le 20 il faisait un jour épouvantable, les députés se voient interdire l'accès de la salle, il y a des soldats qui sont là, on leur dit il y a des réparations, enfin, il n'y a pas moyen que vous entriez. On n'ose même pas leur dire d'une manière brutale, vous n'avez pas le droit de réunir, on vous dit, mais non, aujourd'hui, ce n'est pas possible parce que la salle est en réfection. Alors, c'est ce jour-là, le 20 juin, que les députés du tiers vont se réunir dans une autre salle, dite la salle du jeu de paume. C'était vrai, à Versailles, il y avait une salle où les courtisans, où le roi parfois jouait au jeu de paume. Et c'est dans cette salle où personne ne peut s'asseoir, où ils sont là debout, que le fameux serment du 20 juin a lieu. Qu'est-ce que c'est que ce serment? C'est Mounier qui en est l'initiateur. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, je l'ai déjà prononcé. Mounier, c'est quelqu'un qui vient de la région du Dauphiné. Mounier et Barnave, ce sont, comment dirais-je, sont les hommes de main des Perriers. Vous savez, les industriels Perriers qui avaient organisé la réunion de Vizille.
Alors Mounier est un des chefs de file de la bourgeoisie montante, et ce jour-là, c'est Mounier qui dit à ses députés qui sont réunis par hasard dans la salle du Jeu de Paume, puisqu'on leur a fermé leur salle, qui dit « Nous allons prendre l'engagement solennel, à main levée, enfin devant Dieu, on va jurer de ne jamais se séparer avant que la constitution de la France soit faite, soit établie. » Le tiers s'était choisi une sorte de doyen, pas tout à fait de président, c'était Bailly, un astronome, un homme sage, mais ça n'est un homme pondéré, il n'y avait pas de danger avec lui. Alors c'est Mounier qui propose le serment, et c'est Bailly, montant sur une table, qui lève la main et qui dit « Je jure au nom de l'Assemblée nationale qu'on ne se séparera pas avant d'avoir établi la constitution du royaume. » Alors qu'est-ce que va faire le roi? Eh bien, le roi hésite encore beaucoup et prend conseil de Necker. Necker, vous savez, au fond, il est très affolé, enfin tout ça le dépasse, il avait l'impression que c'était une erreur d'avoir lancé les états généraux. Enfin, tout de même, le roi décide de faire une séance royale. Il va réunir tous les ordres le 23. Dans l'histoire traditionnelle, la séance du 23 apparaît comme est présentée comme un coup de force du roi. Je n'en suis pas tellement convaincu. Si l'on écoute les propos que va tenir le roi ce 23, on voit qu'il cède pas mal de choses, qu'il recule sur bien des points. C'est un ton, si vous voulez, autoritaire, mais autoritaire pour avouer les concessions. Quelles concessions? Eh bien, ce 23, le roi annonce qu'il accepte et même qu'il ordonne l'égalité fiscale. Ça, il n'avait jamais osé le faire. Vous savez qu'on avait tenté depuis des années, depuis 1771, enfin à cause de l'opposition des parlements, on avait tenté d'obtenir que les nobles se décident, et que le clergé aussi se décide à payer. Jamais on n'avait pu y arriver, il y avait l'obstacle du parlement. Le roi se dit, après tout, les états généraux sont utiles en ce sens, qu'ils sont, les gens de la roture sont assez nombreux pour imposer leur volonté aux nobles. Je ne veux pas le dire, moi, le roi, qu'ils sont nombreux et qu'ils imposent la volonté, mais je m'en vais me servir de ce levier pour faire payer ces nobles qui refusaient de payer. Alors, un, égalité fiscale. Deux, dans cette même séance du 23, le roi accepte quelque chose de très important, la périodicité des états généraux. Eh bien, ça veut dire pratiquement qu'il y aura une chambre maintenant. Ce n'est plus la monarchie absolue. C'est le roi qui accepte, qui est à côté de lui, une sorte de conseil de direction, ou du moins consultatif. Les états généraux seront réunis périodiquement, il ne dit pas quand. Mais enfin, il les consultera. Et troisièmement, ce qui est vraiment très important, il accorde à ces états généraux le droit de contrôle sur le budget. Ça, la roture pouvait être contente. Le tiers état pouvait se dire, mais ça c'est rudement intéressant. Pour la première fois, nous aurons notre mot à dire sur la répartition du budget national. Et puis, il annonce deux choses encore. Il annonce la suppression des lettres de cachet, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus brusquement et sans procès interner quelqu'un. Et il promet la liberté de la presse. Vous voyez que c'était pas mal tout de même. Il y avait un progrès considérable. Thiers avait obtenu beaucoup de choses. Seulement, le roi continuait à refuser que les délibérations se fassent par tête. Il voulait toujours que ça soit par ordre. Par conséquent, les bourgeois qui étaient là pour essayer de saisir les leviers de commande de l'État étaient furieux. Parce que rien n'était encore possible, la noblesse continuant à occuper tous les emplois. Si bien qu'ils réfléchissent sur place avec Mirabeau qui, comme Sieyès, est en train de se pousser, ils réfléchissent à ce qu'il faut faire, rapidement. Mirabeau avait fait une chose aussi fourbe que celle de Sieyès, le 17. Mirabeau avait prononcé, je ne me rappelle plus si c'est le 17 ou le 18, une phrase sur laquelle je vais appeler votre attention. Il avait parlé de ce tiers-état dont il avait dit, le tiers-état, pour être formidable, n'a qu'à se faire immobile. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est l'idée de la grève générale, finalement. Ces gens n'ont qu'à rester immobiles, c'est-à-dire à ne plus travailler, pour que tout s'arrête. Oui, grève générale. Seulement ça, c'est une fourberie égale à celle de Sieyès. Celle de Sieyès, c'était de dire nation lorsqu'il pensait simplement aux 200 000 profiteurs. Et l'astuce de Mirabeau, c'est de faire semblant qu'il représente ses travailleurs, alors que la bourgeoisie est absolument décidée et absolument résolue à les obliger à travailler. Pas question qu'ils s'interrompent jamais de travailler. Alors qu'est-ce que va faire Mirabeau dans cette fameuse séance du 23? L'incident est partout, seulement il a été raconté d'une curieuse façon. L'incident, le voici. Le roi a prononcé son discours le 23, vous m'avez entendu messieurs, et maintenant, séparez-vous, hein. Chaque ordre ira dans sa salle. Les nobles sortent, le clergé sort, et le tiers-état reste. À ce moment-là, le maître des cérémonies, qui s'appelait le marquis de Drebrézé, s'approche de Bailly, qui s'est constitué, vous savez, le doyen, ou une sorte de président du tiers-état, et lui dit, du reste assez poliment, « Messieurs, vous avez entendu les ordres de sa majesté, veuillez vous séparer. » C'est alors que Mirabeau se précipite et prononce une phrase retentissante, qui a un retentissement énorme, enfin on en parle toujours aujourd'hui, comme d'une chose extraordinaire. C'est à ce moment-là que Mirabeau va s'approcher du marquis de Debrézé et lui dit, « Nous sommes ici de par la volonté du peuple, mon Dieu, quel peuple, de par la volonté du peuple, et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes.
force des baïonnettes, ça retentit comme quelque chose, un cliquetis d'armes, et on se dit, tiens, mais c'est très énergique ce que dit Mirabeau. Mais voulez-vous écouter avec moi de nouveau cette phrase ? Nous sommes ici par la volonté du peuple, et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Ce qui signifie, si jamais le roi emploie les baïonnettes contre nous, eh bien nous céderons. C'est-à-dire que c'est une soumission conditionnelle. Tout aurait été différent si Mirabeau avait dit, nous sommes ici de par la volonté du peuple. Et si le roi utilise la force contre nous, nous appellerons à notre secours le peuple, c'est-à-dire les bras nus et les gens à pic, et nous n'en sortirons pas. Tandis qu'il n'en est pas question. Mirabeau, vous allez le voir de plus en plus, Mirabeau est quelqu'un qui a une terreur et un dégoût du peuple, et qui dit à aucun prix, il faut faire appel à ce fameux quatrième état, c'est-à-dire la multitude, c'est-à-dire les travailleurs. Le marquis de Rebrézé a une réponse que je ne peux pas citer ici, parce qu'elle est extrêmement inconvenante. Lorsque Mirabeau lui fait cette phrase en disant « nous sortirons que pour la... » Par la force des baïonnettes, il tourne les talons en jetant une interjection inconvenante. Il va trouver le roi et il lui dit « ces messieurs ne veulent pas bouger ». Et le roi, qui est presque aussi inconvenant, répond « ils ne veulent pas s'en aller, ben foutre qu'ils restent ». Et il va céder. Le roi va céder parce que le lendemain 24 juin, par conséquent, le clergé, poussé par les petits curés, qui sont 208 sur 291, le clergé vient rejoindre ce tiers état qui s'est constitué en Assemblée nationale. Et une partie de la noblesse, oh pas beaucoup, 48 nobles, qui sont conduits par le duc d'Orléans. Le duc d'Orléans, c'est le cousin du roi et il a des arrière-pensées. Il serait très content que le roi soit balancé pour prendre sa place. Conduit par le duc d'Orléans. Et conduit par un certain marquis de Lafayette, qui s'était illustré dans la guerre de l'indépendance, qui avait servi les révolutionnaires américains, qui avait donc un certain prestige. 48 nobles ayant à leur tête le marquis de Lafayette, le duc d'Orléans, que j'aurais dû nommer le premier, et deux messieurs qui s'appellent les frères Lamette, L-A-M-E-T-H. Ces frères Lamette qui sont aussi des, entre guillemets, des Américains. C'est-à-dire qu'ils ont suivi Lafayette et qu'ils ont combattu pour l'indépendance américaine. Ce sont tous les deux des colonels de cavalerie. Ce sont tous les deux des représentants de la noblesse. Ils ont de gros intérêts aux colonies françaises, c'est-à-dire à ce moment-là les Antilles. Ce sont des gens qui ont une fortune considérable. Eh bien, ils ont pensé que ce que faisait le tiers n'était pas mauvais et qu'il fallait les rejoindre. Alors, quand le roi voit que le clergé a lâché, qu'une partie de la noblesse le lâche aussi, le 27 juin, le roi dit, ben d'accord, je suis consentant. L'Assemblée nationale va comprendre la noblesse, le clergé, le tiers-état, et tout ça va essayer de travailler au mieux pour la France. Croyez qu'il est sincère ? Ben évidemment qu'il n'est pas sincère. Lui peut-être, vous savez, Louis XVI, peut-être qu'il aurait accepté. Il aurait dit, on va voir, on va peut-être s'arranger. Mais sa femme, Marie-Antoinette, est absolument résolue à ne pas s'arranger. Elle a du reste un conseiller qui est Breteuil, le gros Breteuil. C'est un personnage tonitruant. C'est Madame de Staël, je crois qu'il raconte dans ses souvenirs, considérations sur la... On l'entendait toujours marcher, Breteuil. Il marchait en frappant des talons, il avait un ventre considérable, un poids très lourd, et il poussait d'aussi grands cris que la force de ses talons le lui permettait. Alors ce gros Breteuil était là à dire à Marie-Antoinette, vous savez, c'est intolérable, il ne faut pas faire ça, et puis Necker est un personnage mou, il faut en réalité agir par la force. Alors voici les chiffres qui sont bien intéressants, les dates et les chiffres. C'est le 27, vous m'avez entendu, hein, c'est le 27. Que le roi fait semblant de céder et dit, ben d'accord, tout le monde va se réunir dans l'Assemblée nationale, le 27. Mais c'est le 26 la veille, que le roi a commencé à donner des ordres à ses troupes, faire venir des troupes de l'extérieur pour cerner Versailles. Le 26 juin, trois régiments d'infanterie sont conviés et trois régiments de cavalerie qui sont appelés du nord et de l'est. Et qu'est-ce qu'on choisit parmi ces régiments? On choisit des mercenaires étrangers. Vous savez sans doute que la monarchie française, autrefois, enfin... avait à son service un certain nombre d'Allemands et de Hongrois et d'Autrichiens. Ces régiments, en particulier le Royal Allemand, qui était très célèbre et qui va s'illustrer dans les jours qui vont venir, sont priés par le roi, reçoivent du roi l'ordre de venir sur Versailles. Le 1er juillet, le régiment suisse de Metz est l'objet d'un ordre de marche sur Versailles. Le 4 juillet, c'est un vieux maréchal, le maréchal de Broglie, qui se trouve être le grand-père de ces deux Lamettes dont je vous ai parlé. Alors, le maréchal de Broglie reçoit le commandant suprême des forces qu'on est en train de concentrer à Versailles, et il est entendu, il a pour lieutenant un Suisse qui s'appelle Bézenval. Broglie et Bézenval doivent avoir terminé leur concentration de troupes autour de Versailles et autour de Paris pour le 13 juillet. Or, le 11 juillet au matin, le roi fait son petit coup de tête et décide de renvoyer Necker et de le remplacer par Breteuil. Breteuil, le baron de Breteuil, avait dit « Donnez-moi 3 jours, et en 3 jours, avec la force armée, je suis capable de remettre toutes les choses en ordre. » 3 jours. Nous sommes le 11, Necker est renvoyé le 11, le 12 au matin, Breteuil prend le pouvoir, et dans 2 jours, ça sera le 14 juillet, c'est-à-dire la prise de la Bastille. Alors c'est là où il faut bien regarder. C'est vers 9 heures du matin, le 12 juillet,
que la nouvelle se répand dans Paris, le roi a fait un coup de tête, le roi a renvoyé Necker, il prend Breteuil et des troupes commencent à arriver. Émotion. Émotion considérable dans Paris, les gens se mettent à courir les uns autour des autres, enfin place du Palais Royal en particulier, on s'agite énormément. Seulement, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il y a une sorte d'enthousiasme populaire sur le nom de Necker. Je comprends très bien que les rentiers, que les financiers, que les hommes d'argent soient furieux du renvoi de Necker parce qu'ils se disaient, avec Necker, c'est nos rentes qui sont certainement payées. D'autant plus que Necker avait aussi des rentes sur l'État. Vous vous rappelez qu'il avait prêté 2 millions au Trésor français en 1778. Publicitairement, il avait fait un grand bruit sur ces 2 millions et qu'il entendait récupérer les arrérages naturels. Alors, je suis complètement convaincu, enfin ça va tout seul, que les rentiers parisiens, que la bourgeoisie financière de Paris est furieuse du renvoi de Necker. Ce qui me frappe, qui me stupéfie, c'est que la petite plèbe parisienne marche, mais nous avons déjà vu la pauvre petite plèbe parisienne marcher lorsqu'on renvoyait les parlements, lesquels travaillaient contre elle. C'est pas la première fois qu'elle prend, pardonnez-moi cette expression vulgaire, des vessies pour des lanternes, mais cette expression vulgaire et traditionnelle est ici son plein emploi, parce que prendre Necker pour une lanterne, c'est en effet prendre une vessie pour une lanterne, puisque Necker c'était une panse, enfin c'était un surgonflé, un boursouflé. Toujours est-il qu'effectivement les bustes, vous entendez, les bustes de Necker et du duc d'Orléans se trouvent dans la matinée du 12 promenés à travers Paris. Où est-ce qu'on en a trouvé des bustes? Dans un musée de cire, qui s'appelait le musée Curtius, et qui était la préfiguration de ce qui est aujourd'hui encore, je crois, le musée Grévin, à Paris, musée de cire. Alors des gens, des industrieux, enfin des types astucieux, sont allés chercher les bustes du duc d'Orléans et le buste de Necker, et on va promener ça glorieusement, entouré de palmes, dans les rues de Paris. Le mouvement est parti du Palais Royal. Qu'est-ce que c'est que le Palais Royal? Palais Royal, ça appartenait, c'est un immense château, qui appartenait au duc d'Orléans. Le duc d'Orléans, c'était la plus grosse fortune de France, mais c'était aussi un homme qui dépensait tellement, qui s'était terriblement endetté, et très peu de temps, 3 ans avant la Révolution, il avait décidé d'ouvrir au public une partie de son palais royal, et en particulier, il avait fait établir autour de la grande cour d'honneur des galeries. Il y avait des galeries en pierre, il y avait des galeries en bois, et là, s'étaient établies toutes sortes de maisons interlopes. Enfin, il y avait des tripots, il y avait des maisons de tolérance, qu'on n'appelait pas ça comme ça à ce moment-là, on disait des lupanars, il y en avait des quantités. Du moment que c'était la propriété du duc d'Orléans, la police n'avait pas le droit d'y entrer, mais les pauvres n'y entraient pas non plus. Il fallait être bien habillé, il fallait être correct. Or, ce palais royal, c'était le centre d'agitation parisienne. Une espèce de milieu d'eau trouble où tous les intrigants pouvaient s'agiter. Et comme c'était dans les locaux, sur le territoire du duc d'Orléans, le duc d'Orléans dirigeait tout ça avec ses agents. Alors, comme l'agitation principale, le 12 juillet au matin, sort du palais royal, nous pouvons être à peu près convaincus que le duc d'Orléans était derrière et même qu'il avait probablement répandu de l'argent. Quelqu'un va surgir ce jour-là, c'est Camille Desmoulins. Camille Desmoulins, il jouera un rôle dans notre histoire, il faut que nous le regardions un instant. C'est un personnage complexe, vous savez, Camille Desmoulins. J'ai bien regardé les visages, c'était tellement intéressant d'étudier les visages, et nous avons pas mal de portraits de Camille. Il était jaune, il était bilieux. Il avait quelque chose de curieux dans le regard, une sorte d'incertitude, un peu louche ce regard. Louche, pas du tout parce qu'il était bigle, pas du tout, mais quelque chose de trouble dans le regard. C'est un garçon qui était capable de violents entraînements, et en même temps qui était capable de tendresse et de gentillesse. À ce moment-là, Camille Desmoulins, c'est un garçon qui n'a pas le sou. Il aura bientôt le sou, parce qu'il va finir par épouser une petite Lucille Duménil qui avait beaucoup d'argent, qui va lui apporter d'un seul coup 100 000 francs. Mais pour l'instant, il n'en a pas. Eh bien, ce 12 juillet au matin, quand les Parisiens apprennent que Necker est renvoyé, qu'il y aura peut-être un coup de force de la cour, Camille Desmoulins, au Palais Royal, dans ce milieu grouillant, grimpe sur une table, sort un pistolet qu'il avait dans sa poche, dresse ce pistolet et crie « aux armes !» La cour va venir nous attaquer, il faut que nous le défendions. Et comme il est sur une table, que c'est en juillet, que cette table est à la hauteur des branches d'arbres, il arrache une feuille verte, il la met à son chapeau. Verte parce que c'est la couleur de l'espérance, tous les gens arrachent des feuilles, ce qui permettra à Madame de Staël plus tard de raconter que Camille Desmoulins avait choisi la couleur verte parce que c'était la couleur de la livrée, c'est-à-dire des domestiques de Necker. Je vous assure que personne n'y avait pensé à ce moment-là. Verte, simplement, feuille, espérance. Aux armes, il a crié. Dans cette journée, le tumulte devient de plus en plus grave dans Paris, et en fin d'après-midi, le régiment, le royal allemand, c'était donc des Allemands qui étaient là, qui étaient commandés par le prince de Lambesque, le royal allemand, devant l'agitation de Paris, fait une charge. Attention, on a un peu exagéré dans l'histoire, on a dit ils ont chargé, on se représente tout de suite sabre au clair, des cavaliers au galop, mais on ne sait pas tout à fait ça. Les dragons de Lambesque étaient là, tout près du palais royal, et de la place qui est aujourd'hui la place de la Concorde, la place Louis XV, et ils ont avancé, dans la foule, pour la repousser. Il s'est trouvé qu'un vieillard a été piétiné, il n'est pas mort, mais enfin, il a été piétiné.
Alors, des gardes françaises. Les gardes françaises, c'était des soldats qui étaient au service du roi et qui étaient cantonnés, pour une part, à Paris. Des gardes françaises prennent brusquement le parti de la foule et se mettent à combattre le royal allemand. Parce qu'ils sont français et que les autres sont des Allemands. C'est très mauvais, ça. Ça donne l'impression d'une indiscipline dans l'armée. Alors, la suite, retenez ce que je vais vous dire dans l'armée, la suite se présente comme ça. Toute la journée du lendemain 13, les Parisiens, excités et poussés par un certain nombre de gens, sont là à chercher à se procurer des armes. Parce qu'ils se disent, nous sommes cernés, il y a des troupes qui sont déjà venues jusque dans le champ de Mars, qui n'est pas tellement loin, vous savez, pas des Invalides. Il y a d'autres troupes qui vont certainement arriver par Versailles, d'autres vont arriver par Vincennes. Il nous faut des armes. Ils vont vers l'hôtel de ville, bien sûr. L'hôtel de ville était dirigé à ce moment-là par quelqu'un qu'on appelait le prévôt des marchands, qui pratiquement c'était le maire, qui s'appelait Flessel. Flessel n'aime pas beaucoup cette foule un peu déguisée qui vient lui demander des armes, mais ils sont très nombreux, les gens, et alors on leur donne les 350, 360 fusils qui étaient conservés à l'hôtel de ville. On les leur donne sans joie. Flessel a même dit, je crois qu'il y a des armes chez les Chartreux. C'est une drôle d'idée, enfin, il y avait un couvent de Chartreux qui était là, la foule se précipite chez les Chartreux, non, il n'y a pas d'armes, mais il y a du blé qu'on va enlever chez les Lazaristes aussi. En fait, il faut trouver les armes. Alors les gens se précipitent au garde-meuble, mais le garde-meuble c'était surtout un musée. Alors là, il y avait des armes historiques, il y avait des hallebardes, il y avait des cuirasses. Alors il y a certaines personnes qui se mettent des hallebardes dans les mains et des cuirasses sur le corps, un peu ridicule, mais ça c'est pas un armement. Dans la même journée du 13, deux bateaux de poudre, pleins de barils de poudre, sont trouvés, enfin sont repérés, ils sont là sur la Seine. Les poudres devaient être débarquées pour être envoyées à l'arsenal ou ailleurs. Le public le sait, je ne sais pas comment, c'est un prêtre, c'est l'abbé Lefebvre qui organise la distribution des poudres. Les gens reçoivent des petits sachets de poudre, mais il n'y a toujours pas de fusil. Alors où est-ce qu'ils sont les fusils? On est allé à l'arsenal est vide. Mais on sait qu'il y a deux endroits où ils sont des fusils à Paris. D'un côté, c'est l'hôtel des Invalides, et de l'autre part, c'est la Bastille. La Bastille, c'est un morceau. Vous savez, c'était une énorme forteresse qui était au faubourg Saint-Antoine, avec des tours de 30 mètres de haut, avec des canons qui étaient braqués entre les créneaux. Pas facile à enlever. Tandis que les Invalides, ça semblait plus facile. Alors le 14 au matin, et il s'était produit dans la nuit du 13 au 14 quelque chose de très dangereux, très redoutable, le petit peuple s'était jeté sur le mur des fermiers généraux, vous rappelez, le mur de l'octroi, et avait incendié 40 octrois sur 54. Ça commençait à prendre une mauvaise allure de quatrième état en mouvement. Le 14 au matin, toujours conduit par ce prêtre, l'abbé Lefebvre, 8 à 10 000 personnes se précipitent dans la direction des Invalides pour prendre des armes. Il y en a en effet, il y a plus de 30 000 fusils et quelques canons aux Invalides. Qui dirigeait les Invalides? C'était le marquis de Sombreuil. Et bien le marquis de Sombreuil se laisse faire, parce qu'il voit qu'il y a 10 000 personnes, qu'il y a des gens qui sont absolument résolus à entrer, par la force il le faut. Le marquis de Sombreuil ne dit rien, enfin, laisse passer les gens, et le pillage, ou si la saisie des fusils s'organise. Les Invalides, c'est à côté du champ de Mars. Et au champ de Mars, il y a les régiments qui sont commandés par Bézenval, le Suisse Bézenval. Alors comment ça se fait que ces régiments qui sont là et qui peuvent parfaitement intervenir, qui ont du canon, qui ont du fusil, comment ça se fait que les régiments ne marchent pas? Monsieur Jean Missler, qui a été élu récemment à l'Académie française, a fait, il y a 3 ans, je crois, un livre intitulé Le 14 juillet, avec le respect que je dois lui porter, je dis que son livre est d'une extrême légèreté, c'est très mal informé. Aujourd'hui, sur le 14 juillet, le livre de base, c'est celui que j'ai déjà nommé, de Monsieur Gotcho, le doyen de la faculté des lettres de Toulouse, oui. Alors, Monsieur Missler, dans son livre, dit qu'il y a une trahison, de la part de Bézenval. Bézenval qui commande ses troupes qui sont au champ de Mars, ses troupes qui restent immobiles, tandis que la foule se précipite aux Invalides. Bézenval, qui était suisse, avait parti lié avec Necker, autre Suisse, et pour que Necker puisse reprendre le pouvoir dont il a été éjecté le 11, Bézenval laisse faire la foule. Non, c'est pas vrai, ça s'est pas du tout passé comme ça. Bézenval est honnête, enfin, il a des ordres, Broglie a lui essayé d'intervenir, mais Bézenval ne peut pas intervenir parce qu'il s'est aperçu que les troupes ne marcheraient pas. En particulier, il y avait déjà les gardes françaises qui étaient en état de révolte. Aucun moyen de se faire obéir des gardes françaises pour marcher contre la foule. Et ce que Gotcho a établi, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que des mercenaires étrangers eux-mêmes et des Suisses eux-mêmes étaient en train de déserter. Avant le 14 juillet, il y a des désertions dans les troupes de mercenaires. Pourquoi? Eh bien, c'est là où je crois qu'il y a une intervention financière. Il y a du d'Orléans, il y a d'autres personnes, enfin, de l'argent a été répandu. On achète les troupes françaises, les troupes, pour qu'elles ne marchent pas contre la foule. Alors, si la monarchie absolue va tomber le 14 juillet, c'est parce que son instrument de répression lui a fondu entre les mains. C'est parce que le roi qui espérait se servir de l'armée s'aperçoit que cette armée ne marchera pas. Et si Bézenval n'ose pas donner l'ordre à sa troupe d'attaquer contre la foule qui est aux Invalides, c'est parce qu'il se dit « je vais m'exposer à une humiliation terrible, on va s'apercevoir que les troupes ne veulent pas m'obéir ». Voilà la vérité. La monarchie absolue en France va tomber
le 14 juillet, exactement comme tombera la monarchie restaurée en 1830 et la monarchie de Louis-Philippe en 1848, et comme a failli tomber le gouvernement de M. Thiers en 1871, toujours pour la même raison, parce que l'armée ne marche pas. En juillet 1830, quand le roi Charles X essayera de lancer l'armée sur le peuple, il s'aperçoit qu'elle ne veut pas marcher. En février 1848, lorsque Louis-Philippe essayera de lancer l'armée contre le peuple, maréchal Bugeaud lui-même, qui est aussi sérieux que Besenval en 87, en 89, dit « je peux pas, les troupes ne marcheront pas ». Et M. Thiers, vous vous rappelez peut-être, 1871, lorsque la commune va éclater dans Paris, Thiers a envoyé un régiment d'infanterie qui s'appelle le 88e, qui doit monter sur Montmartre, qui doit essayer de prendre de force les canons de Montmartre, et le 88e régiment d'infanterie va se mutiner pour ne pas tirer contre la foule. C'est le même phénomène qui se produit, et je n'ai pas vu assez d'historiens le souligner. Le gros événement du 14 juillet que je vais vous raconter maintenant, ou la prochaine fois, le gros événement, c'est la défection des troupes. Quand Besenval va être obligé de retirer ses troupes en se disant « je ne peux pas les lancer contre la foule », quand il va rentrer à Versailles, quand il va voir son chef Broglie et que tous deux iront trouver leur roi, ils lui diront « sire, il n'y a pas moyen, les troupes ne marcheront pas ». Alors ce 14 juillet, voyant qu'il n'y a pas de défense, la foule a maintenant ses fusils, 30 000 fusils, elle va se porter sur cette Bastille, et la Bastille représente quelque chose de terrible. Premièrement, une forteresse au centre de Paris, ou du moins, si vous voulez, à l'est de Paris, capable avec ses canons de pulvériser, si elle se met à tirer, le faubourg Saint-Antoine. Et d'autre part, c'est un symbole, la Bastille, parce que c'était là où on enfermait les prisonniers que les lettres de cachet avaient désignés.